Bonsoir, bonjour à tous, YouTube, ceux qui sont en live, ceux qui sont en rediff, et bienvenue donc pour la suite et peut-être fin de notre aventure, Guilt, du coup, on est reparti, on était donc dans le bâtiment principal, on doit aller chercher Emily, qui on l'a fait s'enfuir par les toits, je crois, attendez, cet endroit n'est pas bête, ouais mais ça on l'a fait ça. Je ne sais pas ce qui se passe, mais le vieil homme a dit qu'il existait un moyen de quitter ce cauchemar. Je dois me préparer et le retrouver à l'entrée de l'école. C'est ma dernière chance de sauver Emily et de me sauver moi. Très bien. Donc, on repart. Comment je fais? Comme ça. Il faut que j'aille où? Je suis là. Il faut que je traverse jusqu'au hall. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a du monde ici? Attendez, avant, je pouvais passer de là. Ouais. Est-ce que le son... Ah mais je suis parti dans le bon sens. Oui, complètement. Ok, c'est parti. Attendez, je vérifie un truc. Si tout est à fond... Putain, j'ai l'impression... Alors, c'est mon écran. Non, le son est à fond. Ah bah, c'est que j'avais pas l'habitude. C'est que j'ai perdu le... Et le hall, il est juste là, non? Ouais, on arrive tranquillement au hall. Salut Julie, bonsoir à toi. On vient juste de commencer. Ça donnait mieux dans ta tête. Qu'est-ce qui donnait mieux dans ta tête? Julie, toujours présente pour... Ah, il y a le vieil homme qui est là. Observons-le. Il fait rien de louche. Ne bouge pas. Il bouge pas. Bon, on va lui faire confiance. De toute façon, on a que ça à faire. Tu es fin prête, Sally? Oui, je crois. Mais... Vous voulez pas venir? J'aimerais, mais... Je ne peux pas. Je ne suis plus aussi fort qu'avant. Je m'économise. Il me faudra toutes mes forces pour vous renvoyer chez vous, Emily et toi. Pourquoi? Vous êtes malade? On peut dire ça. Bon. Allez, je vais t'ouvrir une des portes de la mine. Quand tu l'auras trouvée, j'en ouvrirai une autre pour vous faire sortir de là. Une fois sorties toutes les deux, courez jusqu'au funiculaire. C'est l'unique façon de quitter cet endroit maudit. Maintenant, écoute bien. C'est extrêmement important. Tu dois donner ton ticket à Emily. Sinon, le funiculaire ne partira pas, tu as compris? Oui, je crois. Bien. Quand tu seras prête, ouvre cette porte. Oh, Sally. Oui? Fais attention. Tu es très courageuse. Merci. J'aime beaucoup les voix off. Les voix off sont très très cool. Alors, est-ce qu'on va devoir se sacrifier pour Emily? Bonne question. Ça a l'air d'être parti pour... Attendez, mais je peux pas partir de là? Il faut que je prenne la porte de gauche. Ok, on est parti. On est parti. On va voir un petit peu ce qui s'y passe. J'ai perdu le chat. Où êtes-vous? Vous êtes là. Hop là. Perfecto. Parce qu'il faut qu'on lui donne... Salut Jean! T'as vu Jean, plein de nouveaux jeux la semaine prochaine. Il y en a deux. Deux nouveaux et la fin de... Ok, c'est de plus en plus bizarre. Alors... Et là, maintenant, faut qu'on aille à la porte de la... Mais attendez, ça a changé, là. Bon, qu'est-ce qu'il y a ici? Rien. Rien du... Ah, mais on est passé derrière le bâtiment principal, d'accord. Attendez, on va fouiller le jardin, quand même. Parce que j'ai presque pas fouillé les collectibles. Apparemment, j'ai... D'après ce que j'ai cru comprendre aussi, j'ai regardé un petit peu sur le net. Sans me spoil, hein. A priori, il y a plusieurs fins possibles. Ouais, j'ai vu le planning vite fait, mais où est passé Zelda? Ah, et plus de Zelda. Plus de Zelda, on n'a pas le temps pour Zelda. Alors, on a plus le 100%, c'est trop long. En fait, j'ai commencé à faire le 100% de mon côté. On est parti jusqu'à 2025. Je vais le continuer de mon côté, de toute façon. Bah, peut-être on fera des petits lives comme ça, où je continue 100% avec Zelda. On verra, peut-être on fera des petits lives de discussion. Où je jouerai à Zelda en même temps, mais de manière tranquillou, quoi.
En gros, faut compter une heure pour gagner 1%. Et encore, je suis gentil. Quand ça se passe bien. Bon, du coup, il n'y a plus rien ici. Je vais me l'acheter en version boîte. J'adore ce jeu. Je sais pas s'il existe en physique, celui-là. C'est possible. Hein, j'ai pas vérifié, honnêtement. Mais je ne crois pas. Et il est déjà c'est vrai que s'il est en physique, autant le prendre en physique. Parce qu'à 30 balles en démat, prenez-le en physique. Hein, si vous pouvez, il sera guère plus cher. C'est ce que j'avais fait pour je sais plus quel jeu. Endling. Endling, d'ailleurs, il est sur Switch. Enfin, il est un peu de pas. Je l'avais acheté sur Switch, moi. Ah, mais faut peut-être que je me baisse, en fait. Endling est un jeu avec un renard. C'est pas très long. Mais le jeu est très sympa. Et. Oula, attendez. Il a 30 balles en physique. Et je crois qu'il fait le même prix en démat. Ou alors. Ou il est carrément cher. Putain, ils vont être chiants. Oh, mais je peux plus repartir. C'est chiant, là. J'ai pas eu le temps de descendre. Mais ça, c'est typiquement le genre de jeu qu'il faudrait qu'il sorte sur Switch, ouais. Ok, on l'a eu quand même. Bon, c'était pas prévu de l'avoir comme ça, mais on l'a eu. Je sais pas pourquoi ça a pas marché quand je suis passé derrière lui pour le shooter. Ok, comment qu'on va faire? C'est bon, on l'a eu. Il est où l'autre? Il est là. Bien sûr qu'il vient là. On va le tuer pour plus de sécurité. C'est bon. Salut Bono. Comment vas-tu? Bonsoir à toi. Je t'avais point vu. Alors maintenant, on est tranquille. Alors est-ce qu'il y avait une entrée quelque part? Bon, déjà ici, il y a quelque chose. Ouais, donc il faut monter par là pour faire le tour. Attendez, j'avais vu une batterie, je sais plus où. Une qu'on n'a pas prise. Je crois qu'elle est... Ah, mais attendez. Ah oui, mais non, l'échelle, elle est derrière. Hop là, comme ça, on refait le plein. Enfin, c'est pas tout à fait, mais presque. On est reparti. J'ai aimé l'ambiance de bout en bout, hein, de ce jeu, vraiment. C'était bon enfant et en même temps horrifique. Donc c'était cool. Non, c'est comme ça. Attendez, j'ai une autre arme. Ah oui, c'est l'extincteur. Ah, j'avais pas vu. Il y a un crochet qui arrive. Ok. Ça se vide. Du coup, on va repartir dans l'autre sens. Nickel. Il va tomber là. Non, 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 quand même. En général, ouais, quand je suis sur des plateformes comme ça, je tombe. Le level design est intéressant quand même, globalement. Mais attendez, qu'est-ce qu'il faut faire là? Oui, il doit falloir tirer sur un truc que je vois pas. Y a un truc que j'ai pas dû voir ici. Je pense qu'il faut se dépêcher parce que ça va redescendre. Ouais, c'est ça. Ok, nickel. On est passé.
C'est bon ça. On avance bien. Pour l'instant, sans encombre. Attendez, avant d'appuyer, de faire une connerie. Pourquoi est-ce que là, c'est ouvert et qu'on peut faire quelque chose? Non, mais c'est bizarre, ça. C'est bizarre. Quelque chose à faire, là, avec ça? Toujours inquiété, moi, quand c'est ouvert à quelque part. Je me demande pourquoi. Attendez, là, on peut peut-être passer faire quelque chose. Non, il n'y a rien. On peut pas passer. Ok, bah appuyons sur le bouton. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai ouvert un raccourci? Ah. Très bien. Bien, t'as déjà fait les jeux Call of Juarez sur... Ils sont super. Ouais, ouais, je connais les jeux Call of Juarez. Oh, j'ai des problèmes de réseau. Ah, ça peut arriver, ça. Ça peut m'arriver aussi. Ça m'est eu arrivé. Ça m'a... Ça arrive à tout le monde, de toute façon, ça... Attendez, pourquoi toi t'es... Ah, parce que t'es là. Y'en a un autre? Il est où? Il est caché... Ah, là. C'est bon, on les a tous eus? On a eu tout le monde. Nickel. Et l'endroit est génial. Hein. La mine, c'est super. C'est super flippant. Ouais, globalement, il y a... C'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas plus de renouvelle. Quoique non, les endroits se renouvellent bien, mais... Ouais, il y a l'école, le gymnase. Mais ça aurait pu être un petit peu plus marqué, chaque zone. Là, ça se ressemble un petit peu tout, quand même. Mais ça aurait pu être un petit peu plus marqué, effectivement. Mais ça va. On a connu pire. Alors, des petits puzzles à résoudre. Ah ! J'avais pas prévu, ça. Tombé. Non! Non, s'il te plaît! Allez, rends-la-moi! Oh, il a cassé. Il a cassé la lampe. D'accord, garde-la. J'abandonnerai pas. Ah, mais il part sans... Ah ouais, mais là, on n'a plus la lampe. Donc là... Comment vous dire? Ça pue du cul, hein. Je crois qu'on peut le dire, hein. Alors, il y a deux trucs à faire. Là-bas, on peut pas y aller. Alors, qu'est-ce qui... Ah, d'accord, ça va tourner ça. Ok, je crois que j'ai compris, parce que là, il y a un rail qui est en l'air. Non. Ok. Ah, mais il faut envoyer un wagon ou quelque chose. Il y a un wagon à faire venir. Parce que là, je peux tourner ce rail. Ça sert à rien. Ok, non, mais il va y avoir quelque chose à faire. Quoi, je n'en sais rien. Et oui, là c'est fermé. On peut pas passer par-dessus. On peut pas sauter, évidemment. Évidemment, elle a pas suivi les cours de sport. La mine, ouais, elle est cool. Ouais, je suis d'accord. Ça bug ce soir ton live. Non, mon live ne bug pas. Pourquoi tu dis ça, Jean? Je n'ai aucun problème de mon côté. Ah ouais, mais... Ah mais j'ai plus de lampe. Ah, je me suis fait douiller. Il nous cherche. Je sais pas, je trouve ça bug. Ah ouais, tu trouves où ça bug? C'est pas pareil. Donc là, il y a un chariot, mais... Comment je vais faire là? Là, il y a des chariots, mais... Ah, faut que je monte.
Tout simplement. Moi aussi, ça bug. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi ce qui va pas. Si c'est la résolution sur téléphone, j'ai une solution. Si c'est la résolution sur téléphone, je peux vous expliquer comment faire si vous êtes sur Android. Parce que souvent, c'est ça, il faut aller dans les... Souvent, je sais pas, c'est YouTube qui limite en fait sur téléphone. Alors, tu vas sur les paramètres. Tu cliques sur le live, sur l'image qui est en train de tourner. Tu cliques sur la petite molette. Tu vas sur qualité. Je suis en 240p, pareil que vous. Pourtant, c'est haute qualité. Ah bah, sur ordi, non, c'est pas normal. Et ensuite, tu fais... une fois que t'as cliqué sur qualité, tu cliques sur avancer. Et là, tu peux forcer le 1080p 60fps. Et là, je suis dessus et c'est nickel. Mais dites donc, on est ultra nombreux. Je suis à 480p. Mais ce que je te dis, tu cliques sur la petite molette, tu cliques sur qualité et tu fais paramètres avancés. Une fois que tu as cliqué sur ça, et normalement, ça doit fonctionner. Alors, faut qu'on fasse ça. Celui-là, je peux le tourner? Ouais, je peux le tourner. C'est tout bon. C'est tout bon. Je m'appelle Oliver. Ok. Hi Oliver. Ah ouais. Donc on fait descendre le wagonnet. Parfait. Et après, il va falloir qu'on esquive le monstre. J'espère que ça l'écrase. Ah non, ils en ont mis d'autres. Les saloperies. Ok, nickel. Ça marche pour toi, Fred? Confirme-moi que ça a bien, que c'est ça, quand tu dis nickel, que c'est ça, que ça a marché. Il m'a pas vu, il m'a pas vu, c'est pas vrai. Ok, il faut que je fasse tourner le truc. Et oui, j'ai effacé les streams de Ni no Kuni vu que j'ai pas fini le jeu et qu'on le finira jamais. Ah oui, mais non, mais je suis... Ah si. Ah! Dépêche-toi! Putain, la nouille. Ah, il nous a vu. Oh, mais attendez, c'est abusé. Alors là, il me cherche mais il me trouve pas. Il me cherche mais il me trouve pas. Ouais, mais c'est YouTube même qui te met ça, hein, je crois. Parce que moi, des fois, il me descend même en 140p. Je pense que YouTube limite par moment pour peut-être pour alléger ses serveurs, j'en sais rien. Alors là, faut rester caché derrière. Bon, rien de compliqué. On s'est pris un peu la tête pour rien. Là que ça se gâte. Je peux pas l'attraper par ce côté, ça me simplifierait la tâche, mais non. C'était sur Android, en tous les cas, ça marche. Après, sur iPhone, je sais pas si c'est pareil ou pas. Non, il nous voit pas en fait. En fait, on peut tracer, il nous voit pas.
On va rester caché, on va pas faire le foufou. On va rester tranquille. Et donc là, ça devrait le faire descendre. Non, il faut qu'on l'aide pour casser la petite barrière. Ok, nickel. Et les monstres n'ont rien entendu, évidemment. Parce que sinon, ça serait chiant. Nickel. On avance, on avance. Alors. Est-ce que j'ai de la vie, moi? Ouais, j'ai de la vie. Baignons les flammes. Ah. Ah, ça, c'est juste pour que je puisse passer derrière, c'est ça? C'est chaud patate. Non, ça va, ça va. Ça va, le jeu est généreux, quand même. Avec même... Ah oui, attendez, ça, je peux le geler. Non, c'est pas ça. Ouais, c'est ça. Chaque fois, j'oublie. Faut que j'y pense. Mais en fait, j'ai hâte de voir la fin du jeu aussi. Je vous avoue, j'ai hâte de le finir. Non pas parce que j'ai envie de le finir. J'ai envie que de passer à autre chose. Mais j'ai envie de voir un petit peu la fin, de voir un petit peu ce qui nous réserve. Quel va être le but du propos. C'est dommage, là, sur la fin, le truc sur le harcèlement scolaire passe un peu à la trappe. C'est un petit peu dommage, je trouve. Ouais, j'ai vu ça, Bono. Ouais. Ah, ils envoient des mails pour dire qu'ils ont eu un mois ou je sais plus quoi. Mais je pense qu'encore une fois, c'est des histoires d'argent. Hein. Alors, Emily est là. Comment est-ce que je la rejoins? Par là? Par là. Emily, je croyais que c'était parce que tes amis te manquaient, c'est tout. Alors, je sais pas dans quelle mesure, Bono, ils effacent les comptes, mais... Enfin, dans tous les cas, c'est pas normal. On est d'accord. Alors, est-ce que c'est pour vérifier qu'il y a des faux comptes, des vrais comptes? Il y en a qui ont peut-être deux ou trois comptes. Est-ce que c'est des comptes qui n'ont pas de jeu? Enfin, je sais pas. C'est peut-être un petit peu... Faut voir, parce que... Emily, est-ce que tu souffrais vraiment à ce point? Est-ce que c'est vraiment pour ça que tu as atterri là? Ah si, bah vous voyez que juste quand je dis... Juste quand je dis qu'il passe un petit peu à travers du harcèlement scolaire et du mal-être de certains enfants, et ben justement, ils en remettent une couche dessus. Donc j'ai été mauvaise langue. Il faut que je passe là-dedans et que... Déjà on peut passer... Ok, nickel. Donc ça, je peux geler aussi. L'extincteur, il sert à tout. Hein. C'est le super extincteur... Ah ouais, ça, c'est l'extincteur 2.0. Alors, on a une machine à canettes. Ce qui est toujours un signe que la merde arrive. Donc, il va falloir passer de là, j'imagine. Enfin, on verra. On verra, on verra. Déjà, il y a la salle de contrôle. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ah, mais de toute façon, je cherche les collectibles, mais je vois dans la zone, c'est écrit 0 sur 0. Il n'y en a pas dans cette zone. Alors, on n'a pas fait beaucoup de collectibles. On a été nuls à chier. Sans, je crois qu'on peut le dire. Alors, plein de monstres vont arriver, bien évidemment. Est-ce que je prendrais pas une canette par précaution? Si je vais en prendre une par précaution. C'est un couteau suisse, l'extincteur. Ah ouais, extincteur de malade, ouais, comme vous dites. C'est le super extincteur. Alors. Là, c'est une fausse porte. Il y a un autre bouton ici. Allez, je peux pas. Fais-moi
Oh non. Fais-moi confiance. Non, j'ai pas envie de vous faire confiance à vous. J'ai vraiment pas envie de vous faire confiance. Attendez, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tu ne m'auras pas. Bon, je peux rien me faire. Mais... Ah, mais la fenêtre est ouverte. D'accord, faut que je jette la canette dessus. Ok. Ça, je viens de comprendre. Je suis bloqué. Je suis bloqué. C'est bon, je suis débloqué. Hop là. Mais c'est chiant maintenant de devoir créer des comptes de partout sur tous les trucs. J'avais créé un compte Ubisoft Forward à l'époque, mais je m'en suis jamais servi. Pour Zombie U. C'est la seule fois où je m'en suis servi, je crois. Je sais même pas à quoi ça m'a servi. Ok, donc on a levé ça. Et on peut toujours pas... Ah si, je peux passer par là, ok. Ouais, moi j'ai vu ça sur Twitter, je crois qu'ils ont envoyé des mails. Je crois que t'as 30 jours pour répondre aux mails avant. Mais j'ai jamais empêché les autres de le faire. Exactement. Je l'ai cherché partout, tous les jours, quand elle a disparu. Mais en fait, j'aurais dû l'aider bien avant ça. Je dois la trouver. Pour lui dire que... Que je suis désolée. Mmh. Ouais, si le propos est pas mal. Après, c'est un petit peu le... Un petit peu facile, j'ai envie de dire. Alors, il le traite quand même de manière légère. Mais bon, c'est bien quand même qu'il y ait ce thème-là, moi, je trouve. C'est quand même pas mal. C'est quand même bien. Voilà. On peut louer la... La chose. Ça aurait pu être traité plus en profondeur et un petit peu différemment, mais... C'est bien. C'est bien, déjà, et mettre l'accent là-dessus, je trouve que c'est plutôt une bonne chose et que c'est... C'est un beau message. Peut-être qu'ils n'avaient pas trop d'idées de comment le traiter, ils voulaient absolument en parler, et c'est très bien qu'ils y aillent de manière frontale aussi, comme ça. On dit clairement les choses, de manière à ce que tout le monde comprenne que c'est pas bien. Tout simplement. Donc on va essayer d'ouvrir cette grille, c'est ça? Enfin, une des grilles, j'imagine. Pas de courant. Je peux pas la tourner. Ok. Rien du tout. Ah, faut qu'on mette le courant, tout simplement. Ouf. Alors. Ah, il y a plein de points à relier, c'est ça? Ah oui, mais du coup... Ah ouais, mais non, du coup, c'est de la merde que j'ai fait. Ah, celui-là, je peux pas le tourner. Ah. Pas mal, pas mal. Pas mal. Pas mal. Pas mal du tout. Ça se trouve, il y a plusieurs solutions à chaque fois. Hein. Ah, celui-là, je sais pas à quoi il sert par contre. On va pas alimenter celui-là. Oh. Et ensuite, on ouvre la grille. Et c'est bien, on a ouvert cette grille, mais à quoi ça sert? Ça a ouvert celle-là aussi, très bien. Ok. Non, je me trompe de bouton. Passe vite avant que ça revienne.
Mais bon... Je sais pas à quoi ça sert, ce qu'on est en train de faire, mais on le fait. Ah ça, on va ouvrir la grille et on va pouvoir passer. D'accord. Ça a ouvert la grille, très bien. Mais ça sert à rien. Mais ça sert à rien. Ok. Allez, fallait se dépêcher. Ouais. Non. Bon, ok, bah très bien. Ça, c'est tout bon. Donc, une autre salle de contrôle. Ça avance, ça avance. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas rassurant. Emily, tu ne souffriras plus, c'est promis. J'y suis presque, Emily. Attends-moi. Allez. Y'a rien, hein. De toute façon, y'a pas de collectible, on a dit. Alors, il y a lui. Mais on n'était pas là, frère. Oh non, ça va, merci. Tu es là? Oui, je suis là. Ce qui me fait pas rire du tout. Ah, elle tourne la tête, d'accord. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir passer. Dépêche-toi. Oh. Ah, j'ai peut-être un peu trop abusé. J'ai peut-être un peu trop abusé là. Revoilà le géant. Mais tout à l'heure il nous a pas fait de mal, alors je sais pas trop ce qu'il nous veut ce géant. Par contre, elle rigole. Ah merde, l'extincteur. Ah bah là par contre on est tout nu maintenant. J'étais presque. Oh, enfin, je trouverai autre chose. Ouais, enfin, je trouverai autre chose, je trouverai autre chose, on n'a plus rien maintenant. À force de trouver autre chose, on a rien trouvé d'autre. Mais attendez, la mine c'est immense. Maintenant, c'est mode infiltration. Chouette. Ok, on passe comme ça. Et les mannequins, ils font flipper à chaque fois. Il va falloir que je passe là-bas derrière. Et j'aurais dû y aller tout de suite. Bon, tant pis. À la fin, tu vas être sans défense. J'ai un peu... C'est possible, c'est possible. Ah là, on est parti en mode Metal Gear Solid, effectivement. Mais là, elle nous regarde, là. Mais d'accord. Je comprends rien à ces machins. Elle a tourné d'un coup, là. C'était pas normal, ça. Qui est là-bas, il va pas se retourner. Ça passe. De toute façon, là, il y en a de partout des ennemis. C'est chaud.
Ça passe. Ça passe, ça passe. Ça passe. Nickel. Ouais, je suis, moi aussi j'adore. Hein. Je suis comme toi, Julie. Essaye, on a trouvé Emily. S'il te plaît. Aide-moi. Oui, je te le promets. Échappez-vous. Ah mais on est en bas. Cours Emily, cours. Mais je ne voyais pas. Ok. Ah mais c'est trop bien ce passage. Ah ouais, on s'est fait attraper. D'accord, j'avais pas vu, je comprenais pas au départ. Bah oui, Nolim, non, mais je fais pas de jeu d'horreur moi d'habitude. Hein. Cours Emily, cours. C'est juste là que ça a été l'occasion, 2-3 fois, mais en général je suis pas très fan de jeux d'horreur. Hein. Mais non, là j'ai plein de jeux à faire donc. Alors il va falloir qu'on attrape Emily. Oh la séquence est trop bien! C'est génial cette idée! Ah, ça c'est inventif ça. Ok, passons par le pont. Ah, génial. Génial. Mais je pense qu'on approche quand même de la fin du jeu, donc du coup je vais faire qu'un seul épisode. Hein. Il sera un peu long. C'est pour ça qu'il y a plusieurs fins. Si tu trouves tous les collectibles, t'as 2 tickets. Parce qu'on trouve des morceaux de tickets. Prenez une décision. Ah ben on va la prendre la décision, on va lui donner le ticket. Si je lui donne le ticket, alors je serai... 3 fins possibles. Une où on sauve, une où on la sauve, et une où on est sauvés tous les deux. Alors, on sauve qui? Qui on sauve? Je pense qu'on va sauver Emily quand même. On n'a pas fait tout ça pour rien. Je suis d'accord. Sauvons Emily. Bah, la fuite était excellente. Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis désolée, Emily. C'est la morale. Pardon pour tout. J'aurais dû être là pour toi dès le début. Je t'ai laissé seule. Et j'ai pas du tout réalisé ce que tu traversais. Quand tu as disparu, je suis partie à ta recherche. Parce que je m'en voulais. Mais jamais je ne te laisserai seule ici. Non, Sally! Fais-moi ça, s'il te plaît! Malheureusement, j'ai pas été à la hauteur. Je t'aime. Oh, excellent. Excellentissime. J'ai adoré ce jeu. Mais c'est d'une tristesse.
Ah, si vous faites le 100%, vous aurez tous les morceaux de tickets. Donc, vous aurez deux tickets. Oh, bravo, 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 bravo. C'était trop bien. Ah, j'ai adoré. J'ai adoré. Donc, il y a trois fins possibles. C'est ce que j'avais entendu. Une où tu te sauves. Hein, en gros, tu prends toi-même ton ticket. Une où tu sauves Emily. Et une où tu as le 100%. Et donc, tu vas... Et donc tu vas sauver tu vas sauver les deux petites filles. Ok. Donc superbe. Voilà. J'ai rien d'autre à dire, c'était génial. Donc il y a de quoi rejouer le jeu. Le jeu est pas très long au final. Hein. On a mis quoi, 6-8 heures, quelque chose comme ça, 6 heures. Je dirais à peu près. J'ai pas compté, mais ouais, 5-6 heures, je sais pas exactement. C'est quand même mieux la super fin. Celle où t'as tout à 100%, tu veux dire, Audrey? Bah, de toute façon, ouais. Après, on peut jouer le salopard et se sauver soi-même. Mais on a fait tout le jeu pour rien, quoi, du coup. Mais, ouais. Non, je suis d'accord. Ouais, la super fin, c'est sûr que c'est mieux. Tu sauves tout le monde, mais... Mais voilà. Alors, peut-être qu'on la refera. Peut-être que je ferai à 100% de mon côté. Je ferai une vidéo supplémentaire où je montre les deux autres fins. Mais c'était génial, en tout cas j'ai beaucoup 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 aimé. Hein. Je me suis régalé. Et Jean, pour en revenir à Unholy, j'ai regardé vite fait, il a de très mauvais retours le jeu sur Steam. Fais-le s'il te plaît. Ouais, je le ferai pas en live, mais je le ferai de mon côté. Je le ferai de mon côté, je ferai une vidéo où je montre les deux fins supplémentaires. En premier la fin. La fin où on est un salopard, quoi, où on se sauve et on laisse Emily mourir. Et je ferai la fin à 100% de mon côté. Enfin, j'imagine qu'on peut retourner. Parce que je sais pas si je referai le jeu en entier. Mais si on peut refaire les zones qu'on a déjà faites. Si on peut se rebalader librement. Mais bon, j'essaierai de le faire dans tous les cas. Ça prendra peut-être un peu de temps, je vous garantis pas. Et puis, je ferai la review aussi de ce jeu. Je ferai ma review. Où j'ai adoré ce jeu, vraiment. Je vous le dis, j'ai adoré le jeu. Donc, je me suis régalé. Du début à la fin. Le jeu était léger, simple, efficace. Voilà. C'était rien. La fin bâtard. Ouais, je pourrais la fin bâtard. Ouais, voilà. On pourrait l'appeler comme ça. Mais ouais, je la ferai aussi parce que ça a l'air sympa de le faire. Voilà. Donc, non, mais ça a l'air. Non, le jeu était cool. Voilà, il était sans prétention. Il traite d'un sujet un petit peu délicat. Il le fait de manière un peu légère quand même. Mais je pense qu'il voulait pas aller trop loin là-dedans. Non plus, mais bon, c'est bien qu'il y ait ça en fond. Ben, merci à vous, en tout cas, d'avoir été là. Je lui dis surtout merci d'avoir été là à chaque live. C'était vraiment génial. Je me suis régalé, vraiment, du début à la fin. J'ai adoré. Et on était assez nombreux, quand même, sur le live. Eh ben, écoutez, voilà, Guilt. C'est fait. Revenir à l'école. Ah bah si je peux revenir à l'école, on le fera avec plaisir, hein, je vous le dis. Ah bah nickel, je pourrais tout refouiller. Oh bah superbe. Superbe, et bah je le ferai alors. Je le ferai. Ça va me faire extrêmement plaisir. Ah bah nickel, je le ferai. Ah bah voilà. Eh bien écoutez, on va faire l'outro pour ceux qui sont en rediff. Eh bien pour ceux qui sont en rediff, bah c'est fini. Hein, voilà, Guilt, c'était super cool. J'espère que ça vous aura plu autant qu'à moi. On va se revoir très bientôt sur la chaîne pour de nouveaux jeux, de nouvelles aventures. N'hésitez pas à venir passer un petit moment avec nous et avec le chat sur les lives. Il y a une bonne ambiance en général. Même tout le temps, il y a tout le temps une bonne... On peut se faire un quiz. On verra, Julien, on verra. Où on va juste papoter tranquillement, on verra ce qu'on fait. Et donc, n'hésitez pas à passer comme je disais sur les lives. En tous les cas, on se revoit bientôt. D'ici là, soyez sages, prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao.